chance. 3 points d'avance maintenant pour Philippe Sèvre qui se trouvait pourtant en difficulté au tout début de ce match. Et regardez, un nouvel échange très spectaculaire, même si se termine par une faute directe. Nick a commencé par le service du joueur allemand. Philippe Sèvre n'a pas son classement qu'il devrait avoir. C'est un des joueurs les plus talentueux du monde. Et le jour où il sera psychologiquement un peu plus fort, il sera. C'est fantastique. C'est super. Philippe Sèvre joue avec une telle facilité. C'est patriote. C'est incroyable. C'est l'état de grâce. Eh bien, si ça continue comme ça, la Belgique va se retrouver au commandement. 3-0. Oh, c'est incroyable. Formidable. Il pouvait prendre le risque en retour de service, Philippe Sèvre. 4 points d'avance. Mazzi qui commet une assez grosse erreur. Et il joue très près de la table, polonais, dans l'espoir de... Avec cette petite équipe de Belgique à faire des résultats qui interlopent. Sous les traces d'un certain Jean-Michel. Il remporte de la sorte le premier set, 21-18. Depuis 6 mois, en fait, Philippe s'est définitivement fait un prénom. Il bat désormais les plus portés en Autriche, 4-0. Nouvelle qualification, c'est la 5e pour les demi-finales de la Super League. Mais cette fois, c'est Philippe Sèvre qui s'est mis en vedette. Alors, qui ont dominé le tennis de table pendant 10 ans et qui sont toujours évidemment très jeunes au sommet. On ne voit que 2-3 jours. Mais ceci, ça va être le prototype de match... du tennis de table. Et voici la victoire. Donc un set partout, vous le savez, 2-0 Belgique, un set partout, mais dernière balle de match pour Langerhoff, 19 ans. Qui ne marque pas, 20-20. 20-20. Et balle maintenant pour lui, possibilité de conclure, ce serait 3-0. Et c'est le cas, 22-20. Philippe. Alors que vous découvrez Philippe Sèvre qui mène 8-2, un début de match canon de Philippe. Qui permet donc à la Belgique de rêver à nouveau. Et regardez ce niveau. On est au diapason de ce qui s'est passé précédemment. Oui. Et 5 fils au service. Et ça vole. Hein. Phil qui doit certainement son avance au fait qu'il a... On n'a rien à perdre. Et puis là, il a beaucoup plus à perdre, Philippe. La pression est sur lui. Mais... Il égalise. Il a très bien servi en coupant sa balle, l'obligeant à... Généralement, on conclut victorieusement. Généralement. Ouais, 28-26. Non, on plaisante un peu, mais pourquoi pas. En attendant, c'est 22-21 pour Philippe Sèvre. Qui a bien durci sa concentration depuis 7-8 points. Et le service qui suit pour Phil. Qui va servir en revers. Bel point! Quel risque il a pris en revers. Ça, c'est du Philippe Sèvre tout craché. Bon, le maximum de risque. Sur une balle de 7. Vous voyez, même dans les business seats, on est debout. On ne se retient pas et on a raison d'ailleurs. Un des joueurs, plusieurs joueurs lèvent le niveau de la partie. Ça s'enchaîne pour beaucoup, pour les autres. Comme par exemple ce... Un petit point maintenant pour recoller. Ça fait toujours du bien. Belle accélération. 13-12 pour Sheila. Qui a hésité à attaquer, qui a peut-être eu tort. Parce que l'égalité est rétablie. Il doit dépenser une énergie folle. Bien fait de Phil. Ah oui ! Un très grand point pour égaliser. Mais qui est mené 1-0. 19-19. Il revient de 4-12. Hein. Il revient de 4-12 à 8-12. Petit pas à 14-11, mais là, ça va être difficile. Ah voilà déjà, 14-10.
Ah, on le sentait venir. Oh là là, quel point. Philippe Seff, concentration. Et c'est fait. Et c'est fait. Victoire belge. Victoire belge. Et Jean-Philippe. Philippe Seff, pardon. Congratulé par l'équipe, par Jean-Michel, son frère, par toute la délégation belge. Image émouvante, la presse réunie autour de ces trois hommes. Il n'y a pas de Pinkel, il y a Didier Leroy. Et c'est la fête, c'est la grande fête. Victoire de Philippe Seff, 21-17 dans la belle de la belle. Une victoire une nouvelle fois impossible. Après que le sort nous eût été si défavorable, mal embarqué la Belgique, menée 3-1 et obligée. Jean-Michel Seff d'aller à la belle contre Gatien. On est revenu. On a eu à nouveau des balles de soirée contre nous. On est revenu. Et puis à nouveau Philippe Seff pour conclure. La plus folle soirée du Un scénario extraordinaire. Depuis longtemps à la Garenne, on n'a plus jamais vu ça. Il y a eu la Coupe d'Europe des clubs avec Düsseldorf. Et la Villette, bien sûr, c'était un phénomène à part, très particulier. Ici, c'est l'équipe nationale, c'est différent. Mais quelle folie, quelle folie. 4-3 Belgique-France, le ralenti de la dernière balle et vous auriez vu la salle se lever d'un bloc comme ça que vous auriez compris qu'il y a encore une unité déjà dans ce pays, ça c'est une bonne chose. Ah oui, bien joué, superbe. Ah, quel échange de nouveau, Philippe Seff. Ah oui, c'est bien. Ah, il varie les coups, une fois à gauche, une fois à droite. Ah, il est rapide. Oh, il a de la chance en plus. Ah, c'est vraiment un splendide match pour l'instant. Oh oui, quel échange. Et le point gagnant pour Philippe. À 12-8, il va récupérer le service. Quel échange extraordinaire. 15-8 à son avant.